L'exposition peut élargir un peu la définition qu'on peut se faire de l'œuvre de Magritte en le sortant d'une certaine façon du surréalisme dans lequel il a été un peu trop longtemps verrouillé. Un Magritte plutôt conceptuel au fond, c'est-à-dire un homme qui pense en images. Elle propose cet angle d'attaque de la lecture de Magritte à partir de sa curiosité, de ses échanges avérés avec les philosophes. L'autre particularité de l'exposition, c'est qu'elle est construite de façon thématique, c'est-à-dire qu'elle s'articule en 5 chapitres, chacun renvoyant à un récit précis, ce qui suppose également que, peut-être pour la première fois, les tableaux de Magritte sont accrochés de façon non chronologique. Au début des années 20, c'est à partir de l'art de Giorgio de Chirico que se produit une forme de déclic qui va, chez Magritte en tout cas, lui ouvrir les portes du surréalisme. Et là, pendant quelques années, il va faire des tableaux d'obédience surréaliste qui tendent à rapprocher des objets, des univers qui n'ont absolument aucune relation les uns avec les autres. À partir de 1936, tout change pour lui dès lors qu'il a la révélation pendant son sommeil d'un tableau qu'il va peindre quelques temps plus tard, qui s'intitule « Les affinités électives ». Et là, Magritte nous dit, à partir de ce moment-là, mon œuvre va devenir la résolution d'un certain nombre de problèmes, des problèmes qui sont attachés à des objets du quotidien pour lesquels il va trouver l'objet équivalent ou celui qui peut éclairer le sens ou le mystère de l'objet en question. La trahison des images, c'est d'abord le titre du plus célèbre des tableaux de Magritte, puisque c'est celui que l'on a l'habitude aussi d'intituler « Ceci n'est pas une pipe », mais c'est surtout une référence à la trahison des images telle que la philosophie a toujours voulu qualifier la peinture, qui nous éloignait de la réalité et de la vérité. Donc Magritte reprend aussi à travers ce titre, de façon ironique, la condamnation philosophique des images. Magritte aura à cœur de démontrer que les images peuvent exprimer la pensée comme le font les mots. Évidemment, voulant placer les images au niveau des mots, Magritte se doit de réduire le nombre d'images pour constituer une sorte d'alphabet ou de vocabulaire élémentaire. Et cela le produit à isoler lui-même les éléments constitutifs de sa peinture, et on voit au fil de son œuvre, l'agencement, l'association de ces différents éléments, et il compose le rideau avec la flamme avec la pipe, etc., pour composer des sortes de phrases visuelles.